Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de notre poulpe. Et donc, on va voir les tentacules du poulpe. Il y a plusieurs manières de faire. La première méthode, je vais vous la montrer. Donc, c'était avec les clauses. Et la deuxième méthode nous allons voir ensemble concerne quelque chose de plus inattendu. Je vais vous montrer ça. Je vous le garde encore un peu la surprise. Alors, je vais sauvegarder. Donc, on va prendre le fichier récent, donc c'était celui-ci. Alors celui-ci, c'était une tentative avec le close. Donc vous voyez que c'est vraiment très sympa parce qu'on peut retrouver quelque chose de très très doux, très souple. Et le close peut s'étirer un peu. C'est vraiment, on a quelque chose de très spirituel, on va dire. Et on a une deuxième méthode que je viens de. Donc je viens d'expérimenter ici, qui est vraiment vraiment sympa. Donc qui nous permet d'avoir quelque chose de, on va dire, un peu plus dynamique. Donc ici, et on peut mieux le gérer. Et ça va être cette méthode-là qu'on va regarder tout de suite. Alors, je vais simplement enlever ici les particules. En fait. Et on va donc commencer par animer ici rapidement notre personnage. Je vais vous montrer comment j'ai fait ici. Donc en fait, j'ai activé ici l'enregistrement automatique. Et ici, par exemple, dans ma vue de face, j'appuie sur la barre espace et G en même temps. Barre espace et G juste après. Donc maintenant, je me déplace. Je viens ici, par exemple. Et je me redéplace à peu près vers là-bas. Et je valide. Donc là, vous voyez que j'ai beaucoup de clés. Elles sont très proches parce que le temps que moi je bouge et que l'ordinateur enregistre, eh bien il se passe un temps qui est différent. Donc je fais un scale ici en sélectionnant tout ça. Ou alors il faut bouger tout doucement. Donc là je scale cet ensemble et j'ai le point de départ ici qui est le départ de mon animation. Je fais Shift D, je vais le dupliquer pour le mettre à la fin. Les deux ici là, qui sont créés, j'ai pas fait exprès donc. Je vais pas les garder. Et donc je me mets là, je fais un petit scale. Voilà. Et donc je laisse un espace pour que ça retrouve la position de départ ici, qui est là. Donc là, je vais prendre toutes les clés qui sont hop, de là à là. Je vais passer en mode Graph Editor, voyez. Et je vais dans clé et je vais demander à ce qu'il me nettoie un clean keyframe. Donc un clean keyframe. Et je vais augmenter ici la puissance. Donc je vais recommencer. Donc je sélectionne clé clean keyframe. Ah, là, ça marche. Il y avait un petit bug là. Ok, donc là je vais garder par exemple cette courbe. Je retourne. Bon, je fais back to previews. Et là je relance hein, pour voir ce que ça donne. Ce que je peux faire également ici, c'est qu'il m'a rentré donc des clés dans dans position, rotation et scale. Je peux prendre toutes celles dont j'ai pas besoin ici. Je fais X et là, comme ça, à la main, je peux rentrer par exemple R. Je valide. Je vais plus loin. Je peux faire une petite rotation comme ça. Hop, un petit freinage. Une petite rotation comme ça. Et pareil, recopier ce qu'il y avait au début. Alors je vais le prendre avec le dope sheet ou le timeline, c'est plus facile. Donc là, on avait ici et là la rotation. Qui est là, donc. Je vais superposer tous les points là. Le départ et je vais Shift D, je le mets à l'arrivée. Je vais enlever cette clé, je vais prendre celle-là qui a les rotations aussi avec. Donc si je lance là en boucle, je vais enlever maintenant l'enregistrement automatique parce que je veux pas d'enregistrement automatique. Donc voilà, là j'ai un petit mouvement souple, peut-être un petit peu trop lent, mais bon. Et là maintenant je vais y rajouter donc
Je vais rajouter ici plus des hairs. Pour l'instant, les hairs, j'en veux que 4. Et vous voyez qu'elles se mettent un petit peu n'importe comment, ces hairs. Moi, je vais lui demander de me les mettre exactement où je veux. Donc, je vais sélectionner 4 points ici. 1, 2, 3 et 4. Et je fais CTRL-G pour les assigner à un groupe. Alors, par défaut, ce sera tout New Group. Mais moi, j'avais déjà créé le groupe. Donc, je vais vous montrer. Il s'appelle Tentacule. Par défaut, c'est écrit groupe ici. Vous double-cliquez, vous l'appelez par exemple Tentacule ou pas. Hein. Et donc là, maintenant, on a 4 points dans notre personnage qui sont avec une clé d'assignation de contrainte, si vous voulez, d'influence. Donc là, je retourne dans mon hair. Je vais me cacher comme ça. Et là, vous allez dans Vertex Group tout en bas et vous activez Densité Tentacule. Et là, vous voyez que les hairs vont se mettre exactement ici. Par contre, ici, au niveau de la manière d'être placé, pour l'instant, c'est face. On va prendre vertice. Et il y a random ici. On va décocher parce qu'on ne veut pas de hasard. C'est-à-dire, on veut une tentacule par vertice et non pas du hasard. OK, on a mis nos tentacules. On va regarder ce que ça donne. Alors, pour l'instant, ça réagit pas. Et donc, nous, on va ajouter. Ici, on va cliquer sur dynamique. Alors, quand on clique sur dynamique, déjà, regardez, c'est waouh. Ça marche, hein, c'est déjà super. Et pour que les collisions fonctionnent sur chaque objet, vous allez devoir activer ici, collision. Alors, là, j'ai activé collision et j'ai augmenté la friction. Si vous la baissez, ça va mieux glisser, si vous voulez, dessus. Et par défaut, hein, elle est à 0. Si on fait ça, ça va accrocher un peu. Donc, les particules ici, elles vont accrocher l'objet. Mais on peut également, maintenant, dans nos particules, paramétrer certaines choses. La première, c'est au niveau du panneau de rendu ici. Donc on est dans le panneau de rendu, on est sur Eevee, un moteur de rendu qui est super sympa, en temps réel. Et on va activer, nous, dans les curves, c'est par défaut Strand, nous on va prendre Sweep. Additionnel, subdivision, on pourra le mettre à la fin, pour l'instant on va laisser à 0. On va se remettre dans nos particules. Ici, si vous augmentez la qualité, mais également le calcul, c'est-à-dire qu'il va avoir plus de mal à calculer. Donc, je vais le laisser à 20, comme ça. Et ici, le pin goal swing, c'est assez important, parce qu'il va nous donner le départ ici de notre tentacule, il va nous le donner rigide. Donc, je vais augmenter ici. Alors pour l'instant, je laisse à 0, vous allez voir que c'est visible lorsque vous mettez une forme à votre tentacule. Pour donner une forme à la tentacule, on va dans Hair Shape et on va augmenter ici le diamètre de la base, le root. Ouais, 1, c'est déjà pas mal. Ici, c'est le paramètre de la fin de notre particule. Et là, c'est l'ensemble, le scale de l'ensemble. On ne voit pas bien, donc je me remets en mode solide. Voilà, on a ça. Et là, le strand, ici, ça va répartir différemment. Là, si vous mettez bien gros ici, bien fin ici, on va voir ici comment il est réparti. Voilà, comment il répartit cette forme dans cette tentacule, dans ce hair. Okay, je vais le laisser comme ça. Et maintenant, dans structure ici, je vais changer le poids de cette structure à 0,02. Et on aura des poils qui vont être plus légers.
on voit pas une grande différence, j'avoue. Je vais baisser ici le stiffness à 0. Oui, là, ça se voit bien. Donc là, on a des poils qui sont légers et qui ne réagissent pas trop à l'air. Ah oui, j'avais fait quelque chose quand même ici. Voilà. Alors, vous voyez ici que là, quand ça se plie trop. Et donc, on va aller dans la structure ici. Et dans notre pin gold string, on va l'augmenter ici. Pour que, quand ça se plie, ça garde une partie rigide quand même. Voilà. Ici, c'est beaucoup plus rigide. On va ajouter quand même quelques segments. Et dans notre render ici, on peut augmenter aussi le step, le pas de la courbe pour qu'il y ait plus de douceur ici dans cette courbe. Si je coche ça, ça me donne... Voilà, donc là on a quelque chose d'assez sympa. Maintenant, ici dans notre shape, on peut... Le shape, hop, on peut faire en sorte... Hop, ça s'accroche, je vais le mettre ici, que ce soit, ah non, c'est là, c'est bon, dans, qu'est-ce qu'on avait d'autre, le paramètre step, le paramètre stiffness, le poids, le damp, c'est-à-dire le ressort, on va baisser un peu, j'augmente avec le shift appuyé, comme ça, ça monte tout doucement, donc là, le damp. Et par contre, je vois que bon, ça, la collision, elle marche pas très fort. On va l'augmenter ici au niveau de la qualité, collision. Et on va augmenter la distance ici. Donc, je remets au début, j'augmente la distance de collision. Hop. Et là, on a une distance, quelque chose qui va être plus à l'extérieur. Comme ça. Donc là, j'essaye. Donc là, vous voyez que ça va plus à l'extérieur. Un pulse, alors je sais pas trop ce que c'est, du coup je vais pas y toucher, et on a donc quelque chose de sympa. Donc là maintenant, eh bien au niveau du rendu, on aura ça. Alors c'est vrai que on peut augmenter la qualité de l'ensemble, et on peut c'est le type, on peut augmenter la qualité et on va pouvoir, c'était dans Air Dynamic, ici la collision, l'augmenter, le pin goal, l'augmenter un petit peu aussi, bon, après je vois que ça vient en dessous là. Ah, je ne sais pas ce que j'ai touché pour que ça fasse comme ça. Alors là, il faudra tâtonner et ce ne sera pas l'objet de cet atelier parce que ça va être très long. Et si je vais ici dans la additionnelle subdivision, ce sera beaucoup plus doux au niveau de toutes mes tentacules. Et on a quelque chose de assez sympa. Je vais vous remontrer. Bon, on verra donc ce nuage tuto. Et on a ici donc, alors celui-là il a bien associé, bon, on pourra déplacer les vertex à l'intérieur du maillage, et je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier pour étudier bien d'autres choses. J'espère que cet atelier vous a plu, bon blends à tous, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et aussi vous avez une formation pro ici, vous pouvez vous abonner à cette formation pro, pour apprendre vraiment, vraiment à animer et à créer des petits courts-métrages ou des petites séries pour YouTube ou autre. Ciao tout le monde!